C'est trop tard. 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 T'y arriveras pas. C'est trop haut. C'est trop loin. Tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas capable. Regarde-toi. Maintenant tu sais. Maintenant tu comprends. Alors à quoi bon? Rêve. Oui, rêve. Tu n'as que ça. Fonce droit dans le mur. Mais c'est stupide. C'est sans avenir. C'est rien. Rien, tu n'es rien. Absolument rien du tout. Une poussière. Un bruit. Un souffle. Une seconde. Tu ne peux pas, on te dit. N'essaie pas, à quoi bon? Et c'est toujours au pire, tu comprendras. Tu verras. Tu le sais très bien. Trop haut, trop loin. Abandonne. Arrête, c'est peine perdue. Du temps perdu. Rien, rien, tu n'es rien. Absolument rien. La 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 la. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ne laisse pas ces voix t'influencer. Tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas perdu, tout va bien se passer. Reprends ta Game Boy. Allez, n'hésite plus. Voilà. Tu sais quoi? Ce jeu est pareil. Il entend ses voix. Il sait aussi. Sa bien-aimée ou son ami de cœur a été enlevé et tout porte à croire qu'il va échouer. Tandis que toi, tu veux finir ce jeu. Tu veux vaincre les démons intérieurs qui te murmurent à l'oreille que la défaite, pire, l'abandon, est la seule solution. Comment se donner du courage? Comment saisir cette rage sans nom où toute la force s'écrase sous ton poids? D'une force conséquente appuyée de mauvais mots, de verres à moitié vides et d'un gouffre à portée de chute. Ton avatar et toi n'avaient qu'un même but, matérialiser de manière différente, sauver son ami, finir le jeu. Apprends à travers ton avatar que les obstacles se franchissent, que les coups s'esquivent et se retournent. Un problème pivotant en solution, une clé à résoudre, une porte à franchir, puis deux, puis trois, puis six. Tu ne le finiras jamais! Abandonne, c'est impossible. Mais pourquoi faire? Quel intérêt? Petite existence. Tu sais, ces voix off résonneront toujours quel qu'en soit le niveau. C'est marquant, on vit avec. À force, on ne devrait plus entendre, mais la surcouche perpétuelle étouffe d'éventuelles voix intéressantes, constructives. Je devrais te dire que tu vas y arriver? Que tu vas résoudre ces énigmes les doigts dans le nez? Non, je ne le dirai pas. Je ne suis pas prophète et les autres voix non plus. Parce que la clé que ton avatar a dans les mains, dans son monde, comment il l'a eue? Quelqu'un le lui a donné gentiment comme ça? Non. Et toi, comment as-tu obtenu cette clé? Tu as été aidé? Non plus. Tu le dois par toi-même, car seul et toi seul possèdes cette vérité, cette solution qui te mène vers la résolution de l'objectif. Toi seul, tu comprends? Tu décides. Tu décides d'abandonner, tu décides de gagner, tu décides de faire. Alors abandonne. Tu ne sais pas décider. On te dit la solution. Éteins ta console. Fais. Juste fais. Ah voilà, le moment fatidique. Les voix t'empêchent de bien réfléchir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu auras beau respirer, tu n'y arriveras pas. Inspire. Expire. Je l'ai réussi en une fois. Quel nul. Inspire. Expire. Peut-être que... il y a des chances. Hein? Ben oui, il va peut-être deviner qui c'est.
Nous, on n'en sait rien. J'ai des idées claires. Tu t'éloignes de notre objectif. Je me sens léger. Tu ne vas pas t'y mettre. Mais si, je suis une fleur, je respire la nature. Qu'il arrête sa méditation, nous allons être tous contaminés. Jolis oiseaux, ici Perventile. On jubile. On monte. On voit. N'encouragez pas. Tellement beau. Arrêtez enfin. Joli chemin. Arrêtez avec la joie de vivre. Jolie voix. Stop. Non, je ne veux pas. Plus de négation. L'air est pur. Ce n'est qu'un jeu stupide. Beaucoup plus de feu. On ne doit pas. Étoile. Rayon. Soleil. Restez sur Terre. Voilà, tu es maître de ton avatar, de ton destin. Tu as les clés en main. Vois-tu ce jeu Donkey Kong ? Ce n'était qu'à la base un jeu d'arcade avec ses quelques niveaux emblématiques. On pouvait se méfier d'une adaptation paresseuse sur Game Boy, mais il n'en est rien. Il a ce petit quelque chose qui me plaît dans les jeux, cette ouverture vers un monde large qui séduit l'imagination. Le jeu de base servant de vitrine et toute sa folie derrière. On voyage, on visite plusieurs continents, on nage, on grimpe, on esquive, on réfléchit. Cette lutte envers ce Donkey Kong d'apparence méchante qui voulait quoi ? Ne pas être seul sans doute. Bah, comme il est sans cesse tourmenté par son rival, il agresse avec des tonneaux. Il fuit, il s'éloigne du mieux qu'il peut, et il n'y arrive pas. Pourtant est-il aussi différent que son protagoniste ? A-t-il aussi un but à atteindre coûte que coûte ? Aussi malveillant soit-il, aussi égoïste que cela puisse paraître, la passion qui les anime sont les mêmes, et leurs voix qui vont avec. Il faut juste se rappeler de respirer. Affrontement final. As-tu bien respiré ? Oui, oui, mais on ne va pas tarder à retrouver nos mauvais esprits. Il arrive à la fin, mais le gorille est immense, ça va être impossible. Ouais, ouais, je suis d'accord. N'oublie pas de respirer. Mais il est en apnée, l'idiot! Pathétique. Regardez comme il paraît ridicule! Non mais je te jure. On jure! On juge! On est de retour! Allez, éteins, je suis sûr que t'as plus de piles. Ah ouais? Plus de piles, 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 plus de piles. Ne fais pas attention à eux, ils seront toujours là. Tu es maître de tes actions. Gagne ou perds, mais joue. Tu le souhaites, tu le veux, tu es. Un idiot? Un déchet? Je vous cause pas à vous. Mais alors pourquoi tu nous provoques, hein? Quoi? C'est vous qui... Allez, un café, du nerf. Je ne suis pas matériel. Serve-nous, j'ai soif. Je ne suis qu'une voix off. Nous? Non, et pourtant nous sommes des voix. Et quelle voix? Des mauvaises. Et on est shooté par la respiration. Oh Dieu, maudit. C'est ta faute la voix off, t'es moche. Virons la voix off. Vous ne pouvez pas me virer comme ça. Non, mais out. Là. Je ferai appel à mes amis. Ça fait du bien. Il en est où l'autre? Il continue à battre le boss. Eh B. C'est long, non? Les piles tiennent, c'est triché! Ce n'est pas une Game Gear. Il ne joue pas vraiment à la Game Boy, regarde, c'est un émulateur. Oh, c'est pour ça que l'image est grise. En plus, c'est repris de son live. Live, vidéo, follow, cloche, abonnement, j'en fais quoi des liens? Tu les mets en description. Mais lesquels? Toutes! Comme ça, tu seras tranquille. En tout cas, c'est vraiment un incapable, hein. Qui, moi? Non, l'autre. Ah, je ne comprends pas. En tout cas, il est toujours incapable, regardez. Des safe states. Le vilain. Le mauvais. Qui?
Qui, moi ? Le maudit. Ah, d'accord. Il nous entend, tu crois ? On est mute dans son esprit. Ça veut dire qu'il nous entend pas. On fait quoi, alors ? Bah, on peut parler de Donkey Kong. Il sert de prétexte, là. N'importe quel jour, il fait l'affaire. Je me rappelle, je l'avais eu enfant. J'ai joué des heures. Les sons m'avaient marqué autant que les énigmes. On dirait un QPN. Il radote. Il s'enjaille. Bah quoi, c'est marquant. Je devrais chercher des synonymes. Non, mais le café, je l'attends toujours. Par chance, j'avais fini le jeu hors émulation à force d'essayer. Je suis fier quand même. Regarde où nous en sommes. Ça me remplit de nostalgie, les petites animations entre les différents lieux. La phase de transition qui prouvait cette avancée et son changement de thème. Un exemple ? Merveilleux, de toute beauté. Des bips et des pixels grossiers. Non, mais avoue quand même, de toute beauté. Ouais. Je le répète, c'est marquant. Je me souviens. Oui, c'est marquant. Oh, toi aussi ? Pourquoi on est si dur avec lui ? Parce qu'on vit tous dans son esprit que c'est notre rôle de... Regardez la passion qui l'anime. Et si on changeait ? Oui. Et si on l'encourageait ? Encore la respiration ? Non. La nostalgie. Encore et toujours. Bon, c'est bien pour vous, mais pas seulement une volonté de ma part, hein ? Oui, on te croit. Je le démute, il faut appuyer où ? Là ! Ah ! Et je vous interdis de... Mais... Tu peux le faire ! 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 Eh bien, quel miracle ! Le puis-je ? Tu peux le faire ! 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 Tu n'en veux pas ? Je n'ai pas de corps. Tant pis. Et c'est reparti pour un tour. L'éternel voyage. Laissons-le faire. Il est donc maître de ses actions et nous en sommes les témoins. À la fois de ses échecs, mais surtout de sa réussite.